Merci pour les. Yo les gars, comment ça va? Bon, je commence cette vidéo direct dans le vif du sujet. Donc je suis avec hop, Charlie, un client. Je l'ai déjà partagé dans ma story. On a fait un gros travail au niveau de la perte de graisse là depuis 3 mois. Et je vous remettrai là une petite photo, comme ça vous verrez. Donc là il est sur Bordeaux pendant une petite semaine, on va faire 1 ou 2 entraînements ensemble. Aujourd'hui on fait séance PEC. Bon, c'est surtout on fait ma séance force, mais comme il y a des exos de base, de coucher, de dos, etc. Comme ça, ça va me permettre aussi de voir un petit peu comment il s'entraîne, etc. Essayer de le corriger sur 2-3 trucs. Et puis surtout de se voir et de passer un bon petit moment ensemble. Et puis faire un petit point aussi sur son physique, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines qui arrivent, etc. Donc voilà, je vais vous filmer la séance. Et surtout, je ne vous ai pas oublié aussi, parce que hier j'ai posté une vidéo aussi de l'évolution du physique. Et je vais aussi vous faire un petit avant-après pour ma part, etc. Vous expliquer un peu comment mon physique a évolué, pourquoi, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Allez, à toutes. Ouais, sur la droite, ouais. Du coup on enchaîne direct avec les pompes en déficit. Là on a pris des haltères, on n'a pas les petits trucs là, les petites poignées. On fait ça juste après le coucher, donc je vous avoue ça pique bien, c'est top. Et après on va enchaîner sur les 2 exos de dos. Allez,
Attends. Donc là les gars, on fait le rowing pas unilatéral, horizontal. Donc là la machine d'à côté elle était prise, là on a un angle un peu plus vers le bas, mais bon elle est top aussi cette machine en tout cas. C'est un rowing horizontal, donc ça revient au même. 4 séries de 10, et après on fera un tirage vertical là en unilatéral pour le dos là. Donc là on est en RP8. On va être un peu plus bourrin, on contrôle un peu, mais voilà, on enchaîne les directs. Charlie nous fait une démonstration de dos aujourd'hui. Super. Bien ta cage, ramène les omoplates, voilà, bien serré derrière, voilà, super, c'est bien, nickel. Allez, on ramène, Allez, Charles, encore. Super. Nickel. Les gars, on fait le petit tirage unilatéral vertical. Je sais pas si y en a déjà qui ont vu mes vidéos, mais sur ce genre de tirage, faut pas avoir de mouvement de hanche. Ok, on vient tirer, c'est le coude qui va guider le mouvement. Et le coude, en fait, le but c'est qu'il aille au plus près de la hanche. Donc, on tire, on va ramener l'épaule vers le bas, la hanche, essayer de toucher la hanche avec le coude. On remonte, on étire. Attention, pas trop relâcher toute la tension non plus avec l'épaule et tout ça. C'est vraiment l'épaule, vous voyez mon épaule, on va venir activer le banc dorsal, on tire le coude et on peut se pencher là où on tire, ok, pour encore plus activer le banc dorsal. On vient, mettez des sangles, là je ne les ai pas mises, mais mettez des sangles pour le dos, comme ça vous aurez encore une meilleure prise. Non, il y a plus de soucis, c'est normal. Bien en bas avec ton coude. Ouais les gars, on attaque les biceps. Comme vous pouvez le voir, je me penche un peu en avant, j'essaye de bloquer les coudes. On va bien venir chercher avec les mains, on part chercher en avant avec les mains. C'est pas grave si vous avez un petit peu l'épaule qui est enclenchée, l'avant de l'épaule, c'est pas très grave. Et comme ça vous allez pouvoir
bien venir contracter le biceps et travailler toute son amplitude. Donc bien chercher derrière, bien ramener et franchement ça travaille super bien. Il est super stable, vous allez avoir une bonne tension. Merci pour les...